Accusé d'avoir causé des dommages irréversibles à un homme lors d'un accident de ski survenu en 2016, la comédienne Gwyneth Paltrow a remporté son procès et échappe au paiement de plus de 3 millions de dollars de dommages et intérêts. La justice penche en la faveur de Gwyneth Paltrow. Le procès de la célèbre actrice américaine s'est ouvert le 21 mars dernier à Park City, dans l'Utah, aux États-Unis. Terry Snyderson, un professionnel de santé à la retraite, l'accusait d'être responsable d'un accident de ski, survenu dans les Adir Valley, station UP des Rocheuses il y a 7 ans et lui ayant causé des dommages irréversibles. Ce dernier réclamait ainsi plus de 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais, ce 30 mars 2023, le jury d'un tribunal a estimé à l'unanimité que la comédienne n'était pas coupable. Elle obtient ainsi le dollar symbolique qu'elle demandait. La somme exorbitante réclamée à Gwyneth Paltrow en près de 10 jours de procès, tous les détails de cette affaire ont été examinés par la justice américaine, les deux parties ayant raconté leur version des faits. Premier à passer à la barre du tribunal de l'Utah, l'opticien de 76 ans accusait Gwyneth Paltrow de lui avoir foncé dessus de façon dangereuse, provoquant 4 côtes cassées et des dommages permanents au cerveau, avant de s'enfuir, le laissant inconscient. L'homme avait ainsi porté plainte en 2019. Ses avocats, mettant en avant les dégâts cérébraux irréversibles provoqués par la collision, souhaitaient le versement d'une indemnité de 33 $ pour chaque heure passée depuis l'accident et ce jusqu'au décès de leur client, estimé dans 10 ans. Ce qui se totalisait à 3 276 000 $. Gwyneth Paltrow donne une version très différente de l'accident entendu à son tour. Gwyneth Paltrow affirmait tout l'inverse. La star de 50 ans assurait que si c'était Terry Snyderson qui l'avait clairement percuté sur cette piste de ski en ce jour de février 2016 à Deer Valley. L'espace d'un instant, elle dit avoir eu peur d'être victime d'une agression sexuelle. Je skiais et 2 skis sont apparus entre mes skis, écartant mes jambes, puis un corps s'est pressé contre moi et j'ai entendu un grognement très étrange, a expliqué Gwyneth Paltrow au tribunal. S'agissait-il d'une blague ou bien quelqu'un faisait des choses perverses? Se serait interrogée la comédienne oscarisée. À lire aussi Gwyneth Paltrow au tribunal, accusée d'avoir causé un accident de ski, la star contre-attaque lors du procès.